Les chevaux viennent de s'élancer pour cette troisième course, la MTL Home and Office Cup, 1850 mètres à parcourir avec un bon départ pour Palm of Peace. Seeking Angelo est à son extérieur, Palm of Peace, Seeking Angelo, ensuite Dangerman en troisième position, ça mène Final Frontier, Peace of Paradise, Salvador, Dali à l'arrière, Handsome Bullion, Friday Lunch Club et Hugo the Boss. Les chevaux sont dans la ligne droite pour la première fois. Avec Palm of Peace et Swapnil Rama en tête de la course devant Seeking Angelo qui se retrouve à l'extérieur. Ça mène par la suite Dangerman, Final Frontier, Peace of Paradise, Salvador Dali, Friday Lunch Club, Handsome Bullion et fermant le cortège Hugo the Boss. Les chevaux sont maintenant au tombeau malartique, environ 100 mètres à parcourir dans cette course. Aucun problème pour Palm of Peace qui n'est pas inquiété en tête. Le favori Seeking Angelo est très bien en deuxième position à l'extérieur de Dangerman. Ensuite on retrouve toujours Final Frontier qui est quatrième, Peace of Paradise, Hugo the Boss qui déboîte à l'extérieur de Salvador Dali. Ensuite Handsome Bullion et Friday Lunch Club. Bientôt plus que 600 mètres à parcourir pour Palm of Peace. Seeking Angelo a essayé de mettre un peu la pression. Dangerman bien placé. Peace of Paradise, Final Frontier. Hugo the Boss s'est lancé. Salvador Dali va tendre la ligne droite finale. Tout comme Friday Lunch Club et Handsome Bullion. Environ 400 mètres à parcourir. Voilà que Seeking Angelo va prendre le first run maintenant sur notamment Peace of Paradise qui est lancé. Salvador Dali va essayer de revenir lui aussi dans la ligne droite finale avec Seeking Angelo qui va essayer de partir à présent. On tente de revenir sur lui avec Salvador Dali, notamment à l'extérieur. L'avantage toujours pour Seeking Angelo. Seeking Angelo va aller s'imposer. Victoire de Seeking Angelo devant Peace of Paradise. Seeking Angelo.